Salut à tous, c'est Julien le Nuit Routier pour une nouvelle vidéo de German Truck Simulator. C'est la dernière sur la map France et oui, hein, parce que je pense que vous en avez marre vous aussi de la map France. C'est toujours la même chose. Je pense que vous vous ennuyez. Hein. Là, on va faire un long trajet pour finir avec ce jeu. On va déjà choisir une mission, hein, sinon je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Donc, je suis accompagné de Nazura. Allez, parle. Bonjour. Ouais, ça va? Ouais, et toi? Moi aussi, je vais bien. Eh ben, dis donc, je te vois que tu joues toujours au Truck Simulator, hein. C'est bien. Ouais, mais là, c'est du German Truck Simulator. Hein. T'as vu? Bah, au moins, t'as un avantage, on apprend l'allemand. Enfin... Ouais, moi, j'apprends l'allemand, bien sûr. Hein. Je suis allemand LV1, quand même. Ça fait 4 ans, là, la prof, elle est énervée contre moi. Non, même pas, elle est énervée. Elle est énervée contre tout le monde, en fait. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai demandé à quelques-uns de mes anciens amis... Il disait qu'elle était plutôt sympa, gentille, pas très énervée. Ouais, mais tu vois, avec les 3e LV1, dont moi inclus, hein, c'est là. Voilà. C'est le bordel. En fait, je me suis fait un défi, c'est de dire aucune insulte pendant toutes mes vidéos. Ah bah ça va être dur, hein, parce que quand tu te cognes, je pense que tu t'es bien un petit MERDE. Non, moi je dis mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça va, le petit mince, ça fait pas très mal. Ouais, ça va mince. Voilà, j'ai acheté de l'argent, c'est bon, hein, t'es content, là, je vais prendre la mission, je vais prendre cette remorque. Ça n'a pas de sens, hein, si t'en manques ou quoi. Oulala. Donc, en fait, c'est la dernière vidéo de German Truck Simulator, bien sûr, hein. Un peu détente, bien sûr. Tu vas passer à quoi après? Comment? Tu vas passer à quoi après? Sur ce jeu-là, je vais toujours rester sur ce jeu, bien sûr, mais je vais changer de map. Ah, d'accord. Voilà. Tu vas aller en Allemagne? Je vais prendre la map Adrien Reims. Ah. En fait, c'est une map qui prend. En fait, c'est la map de base plus l'est de la France. Il paraît que c'est très cool. Il paraît, faudra tester un jour. Ouais, j'ai pas le temps de tester. Juste après cette vidéo, je vais le télécharger. Hein. Ok. Téléchargement illégal. Et voilà, premier accident. Bah oui, hein, on cogne les voitures. Malheureusement, je suis en partage d'écran par Skype. Ok, je viens de voir l'accident. Ah bah oui, magnifique. Maintenant, il y a un accident, plus personne veut rouler. Voilà, moi j'ai des petits rollbacks, donc je vois pas tout le temps ce qui se passe avec notre Julien. Mais là, j'ai vu qu'il s'est pris une voiture dans la tronche, et ça fait mal. Ouais, 44 FPS quand même. Hein. Ah oui, j'ai même pas frisé. Voilà, hein, la technique, c'est passer par le trottoir. Non, c'est un peu pas très réglementaire hein, dans la vie réelle. Ouais. Ah mince, je me suis trompé de côté. Je me dis quand même, dans la vie réelle, voir des bâtiments aussi, comment dire, aussi bizarres. Parce que je pense qu'en France, même à Lille, je pense qu'il y a des bâtiments super bien, super beaux. Hein. Ouais, là c'est ça, Lille. Hein. Lille, je sais pas ce que c'est, mais c'est... Oulala. Lille en 1900, je crois, quasiment. Ouais. On exagère, mais... Ouais. Putain. C'est quoi ça, là? Normal que je t'ai vu voler un petit moment. Oui, j'étais en mode vue libre. En fait, j'étais en mode hélicoptère, c'est pour ça. Ok. Pour regarder les bâtiments quand même. Là, je regardais vite fait, je vois toujours que ton camion n'a pas pris de dégâts alors que tu t'es cogné. T'as renforcé l'armure? Comment? T'as renversé ton véhicule? Non, j'ai pas renversé pour le moment, j'ai cogné personne. Rendre plus résistant. On peut pas faire ça. Faut que je ralentisse. Le problème, c'est que ce jeu-là, c'est difficile, en fait, le freinage. Le freinage, il est compliqué, je sais pas trop. Je crois plutôt que c'est surtout pour tourner, non? Ouais, freinage et... Oh, j'ai frisé. Ah bah, j'ai frisé. Ouf, double accident. Ouais. T'as eu intelligence, hein. Bon, bah, bravo, Julien. Ouais, tu peux voir le compteur image par seconde en bas à gauche. En bas à gauche, je vois que dalle. Ok. Mais c'est pas très grave. Ouais, ta connexion elle est nulle. T'es super riche toi. T'as dû faire plein de missions depuis que je t'ai regardé. Ouais, c'est vrai. Bon, là j'ai prévu plein de nouveautés sur ma chaîne YouTube. Hein. Tu vas continuer des Euro Truck ou tu vas changer un petit peu de... Ça va être toujours du Euro Truck comme d'hab. Hein. Ah. Ah ouais, cette voiture elle a réussi à partir. Bah oui, Euro Truck c'est la base de ma chaîne. Je vois pas pourquoi j'arrêterais. Non, je demande pas d'arrêter, mais faire de trop petits jeux pour les faire... Ouais, n'oubliez pas, il y a 3 personnes qui gèrent ma chaîne, hein. Ah bah, ouais, c'est vrai que, voilà. Ouais, parce qu'en fait, les 3 personnes, je sais pas trop, ils font des jeux pourris, comme Candy Crush Saga,
Ah, parce que je crois que c'était toi, moi. Ouais, mais j'utilise mon compte. Et Dîner Dash 5. Tu dis Diamond Dash? Dîner Dash 5 et quoi d'autre aussi? Galaxy Life. Oh, ben ça va, Galaxy Life, c'est bien. Ouais. Mon bon, bref, je vais pas raconter ma vie, je vais pas raconter ma famille, hein, quand même. Je vais pas raconter ma vie ou ma famille. Waouh! Et sale. Ouais. Je peux voir rien. Moi, je suis encore frisé au feu vert, moi. Ouais, il y a encore des bugs bizarres ici. Donc, attends, je regarde ce qui est prévu. Ouh là là. J'ai du 18 Love Steel Extreme Trucker 2. C'est un jeu, en fait, où, bah, j'ai déjà fait déjà une vidéo dessus, non? T'as pas vu? De quoi? Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc chelou. Moi, tu vois que je suis encore frisé, là. Je vois toujours... Oh. D'accord, Julien qui parcourt dans les champs, pourquoi pas. Bah oui, mais je sais pas trop, j'ai glissé. Ah non, mais moi j'ai rien vu, mec. Hein. Excuse-moi, mais je n'ai rien vu du tout. Tu vas voir demain, tu vas voir là comment j'ai bien glissé là sur la route. Y a pas de la neige sur la route, hein. Pourtant j'ai bien glissé. Peut-être t'as glissé à cause de ton faux dérapage. Ouais, j'ai glissé là, je sais pas trop, je suis parti à l'autre bout de la terre. Non, moi je t'ai vu arrêter juste à peine à la sortie du champ, quoi. Enfin, ouais, c'est bon, là je suis rentré sur l'autoroute. Je te vois toujours en train d'essayer de te garer. Enfin, je te vois plutôt. Ouais, il y a des secondes de décalage. Bon, là je suis en train de conduire. Attends, ah oui, voilà, on voit là, je roule à 110 km à l'heure. Hein. Pas trop avec ce jeu là, ils l'ont débridé jusqu'à 160. Ouais, c'est pas tout cheaté, quoi. Tu vois, la vitesse, bon, en principe, c'est vrai que dans les autoroutes, tu peux conduire aussi rapide que ça. Conseil freine, parce que là, je te vois que tu vas passer dans un... Oh, putain. Oh, j'ai cogné un péage. Oh, regarde, je vais rentrer dans ces camions, je vais rien avoir. Voilà, c'est bon, je suis rentré dans les camions, hein. Bah, ouais. Bah, moi, en fait, je te vois laguer au moment où t'étais en train de te cogner sur le côté du péage. Ouais, bah là, après, tu vas voir, après, là, je suis rentré dans les camions. Là, auto-essence à côté, à ta droite, je crois. Ah ouais, ok, d'accord, t'as frisé un mort, là. Ah non, moi, je suis loin, hein. Là, tu as à peine dépassé l'auto-essence, t'es en train de monter une espèce de pente, hein, ou un truc de pont. Ouais, je suis sur un pont, là. Il y a un panneau et Paris-Lyon. Ouais, c'est ce que je vois. Je double un camion, ouais. Au moment que tu me dis Paris-Lyon, tu vois, je frise. Je sais pas pourquoi. Ah, bon, je roule vite, là. Remorque, citerne, esso. Ouais. Là, je vois, ça va. Au moins, les décors, j'aimerais bien qu'ils font un peu plus réaliste, quoi. Ouais, mais c'est pas aussi réaliste que le 2, hein. Même si, oui, c'est bien plus évolué que le 1, même si le système, c'est toujours le même, hein. C'est Prism 3D, hein, et on voit toujours... c'est le système du jeu, c'est Prism 3D, ouais. Ouais, et je préfère quand c'est bien réaliste, parfois. Là, on sent bien... on s'imagine bien que c'est toi qui conduis, quoi. Ouais. Mais c'est très bien aussi, hein. Sur le... Fais gaffe aux radars, mec. Ouais, mais on s'en fout, les radars, ce sont juste des décorations. Ah, la voiture, fais gaffe, les voitures. Ouais, je sais, j'ai vu. Et voilà, c'est bon, une amende. Bah ouais. Je t'ai prévenu qu'il fallait ralentir. Hein. Mais non, mais c'est pas ça, en fait, là. Je sais pas trop, ce jeu, il met des amendes au hasard. T'es dans un tunnel, tu te fais flasher, alors qu'il n'y a aucun radar. J'ai regardé dans le système de la map, et bah, il n'y a aucun radar fonctionnel. Bah en fait, je pense qu'ils ont pas vraiment fait des vrais radars, ils ont juste dit... Ouais, c'est juste des décorations, voilà. Voilà, ils ont posé au hasard et ils disent, tiens, tu perds 250 €, de toute manière, tu gagnes 10 000 euros quand t'arrives à un endroit ou à un autre, t'es vivant. Ouais, sur le 2, t'as un radar, tu roules plus vite, c'est bon, tu te fais flasher et tu te fais pas flasher au milieu de nulle part. J'avoue, parce qu'en réalité, je pense que, déjà, un, on voit où sont les radars et de deux, si on est intelligent, on freine. Ouais. Bon, il y en a, ils s'amusent à faire la course et ça... Ouais, là, je suis en train de faire. Oulala, il y a un petit ralentissement quand même. Ah, c'est bien ça, les ralentissements. Là, je te vois en train de faire des zigzags. Mais... Ouais, en plus, il y a un camion en panne dans l'autre sens. Fais gaffe, tu vas cogner la voiture qui est en face de toi. Et là, je vais te faire. T'inquiète pas. Tu me dis ça? Tu sais quoi, tu me dis ça? Je m'inquiète. Bah, oui, justement. Lorsqu'on s'inquiète pas, et ben on s'inquiète. C'était pas super clair. Logique. Alors, j'avais prévu du 18 Wheel of Steel Extreme Trucker 2. Vous connaissez certainement, hein, c'est la fois où j'ai roulé avec un gros camion dans la neige. T'as vu ou pas la vidéo? Ouais, j'ai vu une vidéo avec gros camion de la neige. Je crois que tu t'es même pris un mur ou un côté parce que
crois que ça t'a fait glisser ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, la neige là, ça fait glisser, hein. Bah en réalité je pense que je ne vais pas conduire au-delà des 200 km/h. Bah même, je roule pas vite, Parce hein. qu'en fait là les routiers de nos jours ils hésitent plus quoi, ils vont à 200-300 km/h, il y en a ils sont débridés. Ouais, comme les Russes, par exemple. Les Russes ou les Américains, ouais, ils roulent, hein. Ils roulent comme des fous, hein. Bah tu connais c'est quoi la série déjà? Il y a une série où ils passent tous les enfin Convoi dans d'extrême? un ouais les conducteurs de l'extrême. Ouais, moi je regarde pas, moi je connais plus. En fait, je connais juste le nom, mais j'ai jamais pensé à regarder. Regarde de temps en temps, tu verras que parfois ça peut être éducatif, mais en même temps on voit comment ils conduisent les personnes de certains pays, on va dire. Je fais pas de méchant, mais franchement, je sais Ouais. pas, t'as une fossée à ta droite, à ta gauche, et genre toi t'es collé côté gauche, et qu'il y a un bus qui passe à toute vitesse, en faillite te percutant, je sais pas, hein, c'est un peu dangereux, non? Ah oui, ça fait penser à une émission sur France 5, ouais. Ouais, je fais la pub France Télévisions, c'est bon, vous êtes contents là, pouce rouge. Voilà, en fait, je crois que c'était sur France 5, je crois. Ouais, ça fait. Ils avaient montré une émission sur les camions qui roulaient dans des endroits extrêmes, comme exemple au Pérou, où ils roulaient carrément dans une montagne. Et en Ah. plus, il n'y avait aucune barrière. Et le moindre faux mouvement, et bah, il meurt. Ouais, ben justement, c'est ça, hein. Ils étaient au Pérou là-bas, justement. Ensuite, Alors, après. toi, tu vois, dans les Antarctiques, là où il y a de la glace et tout, Ouais. bah, il y en a, ils s'amusent à passer par le lac pour aller un peu plus vite. Bah Il y en a ouais. qui se faire tuer. Mais bon. Ouais, c'est. Voilà. Ensuite, après, je me souviens, j'avais vu aux infos, mais il y a très longtemps, hein. C'était un car, en fait. Il a fait une fausse manipulation dans une montagne au Pérou, et bah, il est mort. Mais juste le chauffeur, hein. Les autres passagers sont déjà descendus, hein. Enfin, je crois. Enfin, tu crois, parce que je pense pas que genre le bus tranquille il conduit tout seul. Hein. Ouais, bah aussi, ouais, dans Il certains pays, conduit des tout seul, fois. franchement, une personne, hein, mais après, bon, je préfère que une personne meure que 10 personnes, 20 personnes, quoi. Je sais, c'est un peu l'idée de ma part de dire oui, je préfère que quelqu'un meure, mais franchement, dans une logique, on préfère quand même bah, moins de personnes meurent que, je sais pas, t'as, on va dire, dans un avion, t'as 1000 passagers. Les 1000 passagers sont descendus et après il n'y a plus que les pilotes et les pilotes se font, on va dire, assassiner je ne sais comment. Voilà, donc je ne veux pas être méchant, d'accord, il y aura un petit peu moins de pilotes, mais voilà. Au moins ils ont sauvé la vie de 1000 personnes, quoi. Ouais, c'est. C'est une chose qu'on peut pas faire tous les jours. En plus, je pense qu'ils sont certainement honorés par la police, les pompiers. L'aviation et tout. Ouais. Donc, reprenons le programme. Oui, j'ai une feuille dans mes mains. Vous Fais voyez. gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais, j'ai vu, ouais, j'ai vu. Là, je sais pas trop. Je commence à laguer parce que je rentre dans une ville, c'est pour ça. Je Oh rentre ouais, dans Paris. Je rentre dans la ville de Paris. là, je te vois friser, mais. Déjà, moi, je t'ai pas vu passer le pont. Ouais, t'es devant le pont avec les quatre T'as vu, véhicules. regarde là. Là, il y a un camion poubelle ici. Je sais pas si c'est tout qui s'y fait ici. Ah bah les Ah camions non. poubelles, parfois ils passent par l'autoroute, hein, faut Ah pas non, croire. c'est pas un camion poubelle, c'est un camion. C'est marqué Scania Assistance Truck. C'est pas C'est-à-dire ça. assistance pour les Ça veut camions. dire qu'il. C'est-à-dire que ce camion qui se trouve juste à droite là, il a le pneu crevé. Ah, ok, là je viens de voir, là je Il est viens de en voir. panne. Et voilà, Merci. derrière moi, il y a un bouchon qui commence à se former. Ok, merci de t'avoir arrêté parce que je voyais que dalle. Pourquoi? D'où ça sort? Que fait cette voiture ici? Je ne l'ai même pas touchée et elle est ici. Et je peux savoir pourquoi la voiture blanche n'avance pas? Logique, s'il vous plaît. Bah oui, mais c'est quoi ça? La voie de gauche est libre! Roulez! Allez, je regarde le bouchon. Du Même la monde. gauche ou la droite était libre quasiment. Hein. Je comprends pas pourquoi ils sont en bouchon pour ça. Hein. Ouais. T'es le train en haut là. Mais en fait, le train, il roule sur une route. Ah bah moi je vois rien pour l'instant. Je suis toujours frisé par la voiture blanche et la voiture jaune qui est partie regarder les champs. Bah moi je vois. C'est pas grave, tu regarderas dans la vidéo. Bon, ah bah voilà. L'accident vient de se terminer et la voie de gauche est libre. Moi pour l'instant je suis toujours frisé, hein. Je ne vois rien. Ouais, bon, il y a quelques bugs avec Skype, hein. Tu regarderas tout ça plus tard dans. Demain peut-être. Donc, Ah. continuons quand même la suite, hein. Bien sûr, la semaine prochaine, une vidéo de Euro Truck Simulator 2.
du New Super Mario Bros 2, on va passer au monde 3. Ah, le mec, je sais du petit Mario. Ah, ok, là je te vois rentrer dans une ville, je vois un petit panneau bleu. Ouais. Tour, je sais même plus où il faut aller. Alors là je suis perdu. Fais gaffe au rond-point. Ouais, attends, je suis passé dans la carte là. Ah, je dois continuer tout droit. Oui, je suis dans le rond-point là, j'ai sorti du rond-point, t'as vu? Ouais, là je te vois sortir du rond-point, j'ai quelques petits décalages. Je suis en train de lancer un petit jeu avec, hein, parce que. Voilà. Oh! J'ai failli éteindre Skype. Excusez-moi. Donc, oui, New Super Mario Bros. 2, le monde 3. Je n'ai toujours pas posté, j'ai toujours pas posté le monde 2. Hein, parce qu'il y a un souci technique. Au pire, tu le feras avec. Au pire. Ouais, mais non, j'ai pas envie de recommencer. J'ai pas envie de recommencer un profil. En fait, il y a un problème technique avec la vidéo. Mais je peux récupérer toutes les données. Avec un logiciel, Photo Rescue. Alors moi je vois un petit peu lagué dans mon jeu. Je comprends pas. Moi aussi là je suis à 20 images par seconde. Alors moi c'est même pas image, j'essaie de... Ah voilà. Donc, alors le jeu je dis ou pas, je joue à quoi? Je suis à 9 FPS. Vas-y joue, dis-le. Je joue à Minecraft. Ok, tu joues à Minecraft. Oui, je joue depuis un petit moment. Je sais, pour certains, ça peut être un petit peu enfantin, pas amusant, gamin. Mais c'est un jeu, disons que pour moi, un petit peu réaliste. Même si c'est un peu bizarre que une personne peut casser un kilomètre de cube ou je ne sais quoi. C'est pas très grave. Bon, en tout cas, je ne joue pas à ce jeu. Et juste, excuse-moi, éteins le son de Minecraft parce que je pense pas de temps d'entendre. Voilà. Et qu'est-ce que c'est là? Ah oui, ça. Je dois aller récupérer un peu de canne à sucre. Ouais, je me suis cogné. Au pire, un jour, je fais un partage d'écran, ils verront ce que je ferai un jour. Hein. Ils verront ce que je fais pendant mes temps. J'entends un écho. Non, c'est ma souris en fait. Ah, ok, parce qu'en fait, j'entends un écho de ma voix, c'est pour ça. Ça fait un peu bizarre. Je t'entends normalement. Hein. Moi, je troll un petit peu, mais en gros, je t'entends normalement. Moi, j'entends un écho. Ah, bah, c'est peut-être à cause de mon Minecraft qui te fait laguer un peu trop, non? Non, ça va, ça fait pas laguer. Je suis à 35 images par seconde au lieu de 40, mais sinon, rien. 11 au lieu de 18. J'entends une voix très aiguë dans mon écouteur. De 1, je vous dis tout de suite, c'est pas une fille. Franchement, la voix aiguë, c'est pas bon. Et puis, je suis malade et normalement, je peux voir la voix un petit peu grave. Oui. En secours. Je suis envahi de ma canne à sucre. Donc, après le 13 décembre, je fais du Euro Truck 1 commenté. C'est pas un petit peu ancien et c'est pas vraiment les décors, les pires décors un petit peu. Ouais, c'est vrai, mais bon, moi je fais, je vais rouler sur la map États-Unis, Canada. Apparemment, il y a des gens qui disent c'est super, on a vraiment, on se sent vraiment dans les States. Amérique, tu veux dire. Voilà, c'est bien les États-Unis et Canada en tout cas. C'est une map que j'ai envie de tester parce que ce sont des maps faites par un grand mappeur, Bekilman. Moi personnellement, l'Amérique, bon, j'ai un petit peu envie d'y aller pour voir comment c'est, mais personnellement, il n'y a rien d'intéressant en Amérique. Peut-être, je sais pas, leur cuisine, ou bien tout simplement les écoles, par exemple. Attends, c'est quoi? C'est Beverly Hills, je crois, un truc comme ça, ou bien un autre école. Vous roulez dans le désert aussi, ça fait bizarre. Hein. Est-ce que tu roules dans le désert là? Attends, je regarde. Mais non, je rigole. Je roule pas dans le désert, mais peut-être que lorsque je serai dans la map, je vais peut-être rouler dans le désert, hein, peut-être. Ah, bah, si tu joues Amérique, c'est sûr que tu vas peut-être passer par... Alors, est-ce que j'ai appris ma leçon d'anglais? Je crois que tu vas passer par... Non, pas Chicago, parce qu'il n'y a pas vraiment de sable. Ouais, mais dans la map, il y a pas mal de villes, hein, toutes les villes connues des États-Unis, ils y sont. Bah, Los Angeles, New York... Ouais, j'ai commencé à regarder, ouais, il y a pas mal de villes, au moins 80 villes. Tu penses que tu pourras aller voir la Maison Blanche? Je pense pas, hein. À part si la personne elle a réussi à modéliser la Maison Blanche, j'ai envie de voir ça. Ça serait bien, hein, voir la Maison Blanche, au moins ça fait un peu de culture sur ta vidéo.
Même ne serait-ce que, tu vois le mont Rushmore? Ouais. Il y a les statues de Abraham Lincoln et les autres. Bah, ça serait bien que tu passes par là, parce que je crois qu'il y a une route, hein. Ouais, mais faut voir déjà si la personne elle a réussi à modéliser. Ah bah déjà, pour modéliser c'est dur, alors réussir, Ouais. c'est encore plus dur. Donc voilà, c'était du Euro Truck 1 sur la map Amérique que je vais faire le 13 décembre. Ouh là là. Ah ouais, toi tu dois me dire l'emploi du temps, tu veux même pas faire un peu de surprise. Bah oui, t'as cru quoi toi? Mais ouais, mais j'ai envie de tout dire moi, Mais tu t'as envie vois. de leur faire un peu de surprise quoi, les pauvres, ils connaissent déjà l'emploi du temps par cœur. T'inquiète pas, pour la vidéo spéciale 100 abonnés là, tu vas comprendre là. Ah, tu vas faire quoi comme jeu? Tu vas comprendre. C'est un jeu. C'est un. Qu'est-ce que moi j'aimerais bien que tu joues un jeu que. C'est un peu un jeu de stratégie, je suis pas sûr que tu vas aimer, mais. C'est un MMORPG et en même temps c'est un jeu de stratégie, mais. Si tu veux que je le dise ou pas? Non, pas besoin. Attends, mais là je suis bloqué, je viens de cogner une voiture et c'est bon, j'arrive plus à rouler. Hein. Alors moi je te vois en. What? Ah, fuck. Je te vois en ralenti, en 5 km heure même pas. Bah oui, justement, j'arrive plus à rouler. J'ai trop de dégâts sur mon camion. Ah. Et bah ça, c'est toi qui as voulu faire le plus, Loulou. Et juste devant un tunnel en plus, hein. Bah tu vas faire comment avec la vitesse que t'as, je pense que tu vas faire un peu d'accident, hein. Attends, je crois que j'ai une idée. Je vais dire, attends, derrière moi, il n'y a aucun ralentissement. Ah ouais, il n'y a personne derrière moi en fait, hein. C'est bon, Ah, y a un camion en panne, 2 voies circulées sur 3, aucune perturbation. Et oui, hein, même si le trafic est très dense. Ah bah si, le camion commence à ralentir. Pas très important, on va appeler les je pompiers. suis en train de friser à nouveau. Ah oui, toi, t'es du genre direct. J'appelle les pompiers. Bah ouais. Pourquoi? Pour réparer un peu ta. Ouais, c'est bon là, je me suis réparé, j'ai moins de dégâts, il n'y a plus personne derrière moi, je roule tranquille. Oh là là, c'est pas bien moi. Moi, je rentre dans un tunnel. Franchement, ne soyez pas. Évitez d'attraper froid ou bien d'avoir mangé trop de chocolat. Parce que franchement, c'est pas vraiment la forme. Hein. Pour les sucreries, c'est pareil. Comment ça va? Oh putain. Excusez-moi. J'ai vu juste un moment. On va dire spawner 300 patates. Dans Minecraft, il y a des patates. Tu sais ça, non? Moi, La je sais marque. pas, moi, je joue pas à ce jeu, hein. Bah, en fait, quand tu fais du jardinage, je préfère en parler. Voilà de la. Oh là. Oh mon dieu, je sais même plus dire ça. Alors, ça s'appelle la. Enfin, je suis fermier, on va dire. Et vu que j'ai récolté tout mon champ de patates, et bah, je voyais dans ma main aucune patate. Et ça, c'est pas logique. Et quand j'ai regardé à nouveau, bah 300 patates auraient apparu. Donc ça c'est à cause de la lag. C'est vraiment pas de bonne vitesse. Évite de cogner la voiture, évite de. Bon. Comme ça, gaffe au camion. T'inquiète pas. Encore? T'as Ouais, encore t'as des vu patates? encore, hein. Donc, je me suis même pas pris la voiture. Ouais. Quand tu m'as crié ah, j'ai directement fait halt tab pour regarder et j'ai vu que tu t'es pas pris la voiture, tu as une vitesse de vitesse. En Alors, fait. après le 13 décembre, bah après mon stage, hein, oui. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que tu vas faire un jour une vidéo entière en allemand? En allemand, tu veux que je parle allemand dans une vidéo? Ah Non, ouais. c'est effectivement. Ah ouais. Guten Tag, ich heiße Voilà, Julien. Julien, Ming ein das ein Video macht in German Truck Simulator. Non, franchement, Voilà. c'est bizarre. Ouais, t'as vu, je te dis, hein, tu veux que je fasse une vidéo en allemand? Non, t'as. Je sais pas, hein, t'es bizarre là. Ah bah, je sais pas, tu dis que t'es fort en allemand, enfin plus fort que moi.
peut-être qu'il serait utile. Ouais, bah là, je suis en grave baisse, hein, la prof. Ma dernière rédaction, j'ai eu 11. En principe, t'as pas 14-16? Ouais, en général, ouais, j'ai du 14 à 18. 20 travail perso. T'es un petit peu choqué, même moi, tu vois, j'ai pas 11. Parce qu'en fait, j'ai fait 18 fautes bêtes. Ah. Et moi, même si j'ai fait des fautes bêtes, elle m'en veut pas parce que, en fait. Mais voilà, toute la classe, elle en baisse, je te dis. Toute la classe! Que ce soit de la première de la classe jusqu'au dernier, oulala, c'est la chute libre. Hein. À ce point-là? Ouais, et surtout, je dois recopier deux fois une fiche de VOC. Pourquoi? Parce que c'était le bordel. Les gens, ils foutaient la... en cours. Donc tout le monde parlait. Bon, presque tout le monde, hein. Bon, possible, dans une classe, c'est juste impossible que personne ne parle, je veux dire. C'est comme si tu disais, je sais pas, un être humain peut voler sans le moindre enfant. Je sais pas, c'est comme si tu disais, il peut voler tout nu sans le moindre objet. C'est impossible. Bon, il peut peut-être planer, mais pas voler. Ouais, c'est... voilà. Après, la prof, elle a dit... elle a dit que les 3e LV2, ils sont meilleurs que nous. Non, elle... C'est ce qu'elle nous a dit. Hein. Ils parlent des 3e LV2, mais disons que dans les 3e LV2, disons que nous avons un petit boss de allemand, on va dire. Enfin, bon, il est boss de toutes les matières, mais... On va pas dire son nom, hein. Il va rester anonyme. On va l'appeler Monsieur T, voilà. Et il est très très fort en allemand, donc t'étonne pas que... Voilà. Et puis, Monsieur J, il s'est beaucoup amélioré en allemand, il dit qu'il fait, il révise beaucoup plus qu'auparavant, donc voilà, toute la classe commence à travailler. Ouais, alors que nous, c'est complètement l'inverse, hein. Désolé, mais dans notre classe, eh ben, on fout plus rien. On a perdu toutes les bases de 6e, enfin presque. À ce point-là? Les bases de la 6e. Même dire, ich heiße. Bon, non, quand même pas, mais voilà tout voilà. Ce qui est. Non, mais quand tu me dis les bases de ces 6e, c'est moi, c'est ich heiße, ich bin, les trucs comme ça, quoi. Ouais, mais non, mais il y a des gens, ils ont complètement oublié la RV2. Exemple, je sais pas. Non, même pas. Après Miweka, on nous fait du RVS, verbe à la fin de la phrase. Ah, fuck. C'est quoi ça? Mais même, en fait, moi, le problème, c'est que le changement avec Madame Collet et mon collègue, c'est énorme, quoi. Tu peux pas comprendre, c'est quoi le changement si tu le vis pas, en fait. C'est juste que tu vois tous les règles de Madame Collet qui m'a appris. Enfin, ouais. Qui m'a appris. Bah, disons que j'ai quasiment tout oublié. Mais donc, ou Arnicard et tout, en fait, maintenant, ma prof dit à la fin, c'est surtout c'est à l'infinitif, quoi. C'est pour mettre, par exemple, le verbe au futur, tu mets. Oui, tu mets le verbe devenir en allemand, et tu conjugues à la personne qu'il faut, et puis tu mets le verbe de base à la fin. C'est ce qu'il m'a dit, en fait. Ouais, donc vous faites quoi en allemand en fait? On étudie la ville et la campagne. La ville, la campagne. Et au point de vue grammatical? Franchement, c'est un peu simple, malgré mes notes un peu pourries de temps en temps. C'est vrai, je fais pas trop d'efforts, mais franchement, ouais. C'est intensif. Pas trop pour lui faire beaucoup d'efforts. C'est vrai que pendant temps, j'essaie d'en faire en participant au cours. Sinon, on fait quoi en histoire géo, vous? Nous, en histoire géo, en histoire, on a fini la Seconde Guerre mondiale, et en géographie, on fait l'île de France. Je peux dire un gros mot, s'il te plaît? Comment? Je peux dire un gros mot? Vas-y, si tu veux. Oh my god. Vous avez tenu la Seconde Guerre mondiale? Nous, on a même fait la Première Guerre mondiale, mais... Eh, mais vous êtes lent, vous, hein? Bien sûr, Parle, mon professeur. Un certain Yotimak. Ah, Yotimak, tu sais qui c'est, mais... Ouais super. Donc, lui, je sais, en fait, ils ont deux profs d'histoire géo, si tu savais pas. Deux profs? What? Ouais, c'est. Je vais pas dire les noms, hein. Madame A et P. Alors, A, je crois savoir c'est qui, et P, je crois savoir c'est qui. Okay. C'est pas ceux qui en 6e et en 5e et en 4e? On peut dire comme ça, ouais. Ouais! Bonne chance, les amis! Donc, allez, donc, il y a un truc, en fait, il m'a raconté, tu vois, lorsque Madame P, elle avait dit, ah ouais, les Français sont nuls au foot, là, ce sont des petits pip, voilà.
Ensuite, après, il y a... Je vais dire son prénom. Non, même pas. En fait, tu le connais pas, mais... Je vais dire son prénom, allez, voilà. Sofiane. Je crois que je le connais, hein. À part si c'est un nouveau. Non, c'est un autre, c'est un autre. Il dit, ah ouais, ils sont nuls, là, faut mettre Zlatan et tout, là. Ouais, Zlatan, c'est le meilleur. Oh, Blablabla. franchement, il me dit pas que je connais pas Franck Léon, tu sais. Enfin, vu comment il parle, je pense le connaître. Attends, 2 secondes, il y a un truc, j'ai pas compris. Alors, je regarde vite ce que tu dis. Ok, je te vois freeze, je te vois t'arrêter en fait. Je sais pas si c'est moi qui freeze, mais pour moi là t'es en mode stop. Des carottes, des patates, il me faut manger déjà. Désolé, c'était un petit gênement, voilà. Bah tu seras notre copine. Donc voilà, il dit ah oui, Zlatan c'est le meilleur. Ensuite, après Madame P, et eh ben, elle lui a donné des coups. Ah bah moi j'ai déjà connu Madame P donner des coups à Monsieur S. Gigantor S, ça te fait pas rappeler quelqu'un? Si, si, si. Gigantor Musculator S. T'inquiète pas. Voilà, ensuite après, voilà, il a frappé et tout. Tout le monde a rigolé, hein. Voilà. Ah bah nous c'était beaucoup plus marrant parce que il se balançait, il se tenait la table d'à côté et Madame P tranquille passe à côté, donne un gros, enfin un gros. Donc il fait une espèce de petit claque sur son bras et ça on a tout le monde a bien entendu le claque et en plus ça a fait 2 fois. Mais mon professeur d'histoire géo c'est Madame Pivert, n'importe quoi, Madame P est là. Voilà, on va prendre quand même un petit bout de national, hein, quand même. On va continuer sur la route nationale. J'ai pas envie de revenir sur l'autoroute. J'ai envie de rester dans la campagne avec les champs, là, les maisons, les fermes. Et les vaches. Du Marais Poitevin. Alors, les vaches, je vais juste citer la première lettre d'un youtubeur que je connais. Ouais. Il s'appelle Z. Je vais pas dire le reste parce que sinon c'est. Voilà, c'est. Voilà, ça de la pub pour lui. Mais c'est un bon youtubeur qui fait marrer et qui adore les petits vaches. Bon, même si c'est bizarre qu'il aime. Moi, c'est pas très clair parce que on t'entend pas beaucoup en fait. Non, c'est pas qu'on t'entend pas beaucoup. C'est des fois, voilà, tu n'articules pas assez, je pense. Ah bah, je suis un peu malade. Oui, je sais, voilà. C'est un peu l'excuse. Oh, ça va, hein. C'est bon, on va pas en faire un fromage comme dirait MZ. Z. Ah oui, d'accord, c'est bon. Voilà. Bon, après, je vais te parler tous les trucs perso, bah, en reste, en privé, hein, parce que j'ai pas envie de diffuser toute ma vie à tout le monde. Bah oui, hein, sinon il y a les gens qui... Ah ouais, lui là, il a ça, hein. Oh mince. Oh non, j'ai 100% de dégâts. J'y arrive plus, ma vitesse commence à baisser. Alors moi je te vois toujours freeze devant un espèce de camion et tu es dans une espèce de forêt on va dire. Ouh là là, mes pneus sont crevés, j'arrive plus à rouler. Bah appelle une dépanneuse. Enfin un dépanneur plutôt, enfin peu importe. Enfin, il y a un ralentissement encore hein, sur la route en direction de Porto, magnifique. Allez, on va appeler les pompiers encore une fois. Appelez. Bon bah maintenant, ma remorque, elle a plein de dégâts. Alors moi je te vois ta remorque on va dire. À la moitié de dégâts, tu vois, et je te voyais pas à 100% de dégâts. Là, c'est freeze de chez freeze. Bah voilà. Donc continuons. Bah c'est pas grave pour le sujet que j'allais dire et que j'allais faire. Bah on va pas le faire aujourd'hui, hein. C'est pas grave. Je crois que ça fait 1 heure qu'on tourne en plus. Je me suis même pas rendu compte. Peut-être, alors je vais regarder vite fait. Je regarde. On est. Enfin, on se parle de. Depuis presque 1 heure, hein, à peu près Ouais, voilà. quasiment 3 quarts d'heure, et vu que la vidéo a commencé 5 minutes plus tard, on va dire, allez, ça fait déjà minimum 35 minutes. Ouais, peut-être. Vidéo déjà assez longue. Donc, bah oui, hein, après mon stage, je fais du New Super Mario Bros. 2 encore, les secrets du monde 3. Secret.
Le Super Mario Bros 2, c'est pas celui où il faut récupérer 1 million de pièces? Si, 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 c'est celui-là. Ah, celui-là, il m'a lancé baver une fois, mais. Ouais, le jeu il s'est terminé trop rapidement pour moi. Je suis pas trop. J'ai terminé le jeu en 15 minutes, un jour. Ah ouais, d'accord, direct, toi. 15 Non, moi, minutes sans prendre toutes les pièces, hein. 15 minutes en battant les boss et tout, hein. en fait. Ah ouais, c'est. Et moi, au pire, tu fais une vidéo où t'affrontes tous les boss. Ouais, mais j'ai pas Ah. envie de faire 2 heures de vidéo complète là. Je pense que là, mon caméscope il va mourir. Non, là, tu vas pas faire une vidéo. Là, tu fais un petit montage, tu fais une petite pause. Et après, Ouais. demain, peut-être. Demain, je serai peut-être là avec vous, mais c'est Ouais, mais impossible. non, mais demain, tu vois, demain, t'as. Voilà, ça fait demain, moi aussi, c'est pas vraiment possible. Mais peut-être un autre jour. Ouais, pardon, parce que là, pendant les vacances, j'ai un giga emploi du temps rempli à max. Mais moi, je. Entre le brevet, l'oral, les devoirs, le rapport de stage, les vidéos, la map, pouf, plein de choses à faire, hein. Ah, parce que toi, tu as, comment dire, le brevet blanc. Ouais, le brevet blanc, ouais, c'est 20 Je janvier. pense que vous allez passer 2 ou 3 fois le brevet blanc. Ouais, le premier brevet blanc, c'est le 20 janvier. L'oral de stage, c'est le 21 janvier. Oh, tu stresses. Alors, lundi, je suis allée voir le PDG d'Autotrafic et je me suis amusée à changer les couleurs de l'infotrafic. Ah. Bon, moi ça fera un peu plus joli. Toi, tu fais où ton stage déjà? Alors je vais faire mon stage à l'RATP parce que voilà, Ah, on n'a t'as pas le réussi à choix. trouver? Pas encore. Moi, ils m'ont répondu en retard, la RATP, là. Ils m'ont répondu après que j'ai fait la convention de stage avec Autotrafic. Ah, mais tu fais comment pour faire une convocation? Tu vas dans un arrêt de métro et tu demandes ou bien. Pour être à la RATP? Ouais. Mais non, t'envoies une lettre! Une lettre? Mais oui! Oh là là. Elle n'en mettait! Ou quoi? Eh non, mais t'as trouvé ton stage? Non? Pas encore. Mais c'est quand Mais le au moins. stage pour toi? Au moins février, oui, je sais, je suis encore en Février! stage. Février. Ou mars, ou janvier, un truc comme ça. Moi, c'est le 9 décembre! C'est quoi cette arnaque là? Et bah dans mon collège, c'est un peu plus tard. En fait, ils ont fait ça parce qu'en fait, ils savent que le stage vers le mois de décembre. Et qu'il y aura beaucoup de monde, donc ce sera très très pris. Donc ils se sont dit, bon, on va être intelligent, on va décaler ça un petit peu, comme ça, ils auront toutes leurs chances d'avoir leur métier qu'ils désirent. Ah Enfin. ouais. Après, c'est mon ancien collège, donc le tien, qui veut faire, voilà, un peu plus tôt. Mais c'est pas très grave, ça va pas changer grand chose. Ouais, bon, ça va, je vais m'amuser à Autotrafic. En plus, c'est un moment, je pense, où il va beaucoup neiger, avoir des manifestations anti-écotaxes. Je vais m'amuser. Ah, bah, je te souhaite bonne chance pour ton petit brevet, ton petit stage. En plus, l'endroit où je fais mon stage, c'est à côté de la Tour Eiffel. Bah, là, t'as de la chance, franchement. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Le matin, c'est 9h midi et l'après-midi, 14h-16h. 9h midi, 14h, 16h. Ah, bah, ça va, c'est un bon emploi du J'ai temps. plein de pauses, moi. Ah ouais, entre Ah, midi mais et alors. 14h, je pense, je vais me balader dans Paris, hein, dans le métro, hein. Évite de te balader trop longtemps parce que t'as un délai de 1 h 30 si je ne me trompe pas. Ouais, c'est vrai, parce que je dois manger. Bon, je vais pas vous dire ce que je vais manger, hein, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas, je vais peut-être faire une vidéo voyage sur la ligne 14 du métro, hein. Ouais, parce que en fait, je crois c'est. Maintenant, vous voyez, comparer la ligne 14 en 2010 et comparer à maintenant, vous verrez qu'il y a un très 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 gros changement. Ouais, en plus là, ils ont livré. Ah ouais, le tramway T7 là, il vient d'ouvrir, hein. Ils ont changé les lignes de bus. Je suis au courant, c'est de Belleville jusqu'à chez vous. Ah, t'y penses. Je vais te dire quelques changements. Le bus 285, le terminus s'est déplacé à Tismons, au lieu de Villejuif ou Aragon. Alors, 285, je l'ai jamais pris, je crois. Ouais, une des rares fois, il pleut dans le jeu. Et comme de par hasard, j'ai des dégâts. Bah là, je te vois toujours freeze, mais derrière un camion de DHL. Et là, je te vois en train de. Ah, c'est bon, je te vois. Là, il commence à pleuvoir, si je ne me trompe pas. Ah ouais, il pleut. Enfin, il pleut enfin. Bon, ça va. Les gars, tu te fais klaxonner. Ça, T'as c'est des moi qui a bottes? klaxonne là. Hein? C'est moi qui klaxonnais. Ah, d'accord. Parce que je voyais pas, parce que je frisais, donc j'ai entendu la personne qui dit: Attention, tu fais klaxonner. C'est pas bien. Donc voilà, c'est à côté de la Tour Eiffel, hein.
Et bien évidemment, vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas aller le voir parce que. Et parce que vous le connaissez pas tout parce qu'en simplement. fait l'entrée voilà l'entrée de la société c'est très bizarre, t'as l'impression d'entrer dans un château abandonné hein. What? Tu rentres dedans, tu changes complètement d'endroit, t'as l'impression d'être dans un vrai quartier d'affaires comme à la Défense là, avec des bâtiments et des trucs comme ça. Bah à la Tour Eiffel je sais c'est un peu dans ce genre, mais là faut te dire c'est un poil choquant quoi. Ah non. À ton avis. Donc toi t'as toujours pas trouvé ton stage hein. Oh, je vais le trouver je pense. Et puis je vais commencer la lettre parce que. Ouais, une lettre elle est arrêtée fait quand même hein. Je suis juste en train de me faire envahir de devoirs tout en suite. Bah moi aussi hein, j'ai plein de devoirs à faire là. Je sais pas trop, j'ai un exposé en grec ancien que je dois faire, je l'ai fait bien sûr hein. Mais ça fait un mois que je dois passer, je suis toujours pas passé. C'est grec. Ouais, grec ancien. Ouais, même, c'est pas la langue. Enfin, c'est peut-être pas. Enfin si c'est un petit peu de langue, je veux dire. C'est pas un peu le truc le plus dur, un peu suicidaire, mais car l'équipe qui participe. Est-ce qu'il y a monsieur IC qui participe? Ouais. Ah voilà, là ça va mieux. En gros, tu vis pas tout seul en quoi déjà? Monsieur C, JC? Non, pas lui, je parlais de CH. CA? Non, CH. CH? Oui. CH. Attends, laisse-moi réfléchir. Yo Tima. Oui, bah oui, bien sûr. Tu dis, on était toujours en père tous les deux. Quoi. Non, parce qu'en fait, j'avais pensé à une autre personne, tu vois, non famille avec un C. Ah oh, oui, c'est vrai que tu peux très bien penser à celui-là. Mais je pensais que. Ouais, mais voilà, on a compris. Et ça sort bien en fait. Il y a des bonnes notes. Qui? Ah, j'y sais. J'y sais, ouais, ça va. Moyen. Ah. T'aimes bien quand tu me dis, ouais, ça va, moyen. Il dit que c'est trop dur à un moment. Disons, j'arrive même pas à lire des lettres. Alpha, beta, gamma, zeta, eta, iota, kappa, lambda, mu, nu, chi, omicron, epsilon. Après, j'oublie plein de trucs. Je vais pas vous faire une liste, hein. Attends, c'est juste un petit mot, en espérant que tu ne te trompes pas tout à l'heure. Alors, le 14 février, si 14 décembre, c'est du Battlefield et Renault commenté. Le voilà. 15 décembre, c'est encore du autre truc 1, non commenté. Il est fait ce que je t'ai écrit en évitant de montrer à tout le monde parce que ça va pas reprocher. Non, je peux pas voir ton message pour le moment. Je suis en pleine vidéo, tu vois, je peux pas décaler tout de suite. Après, je pense à faire. Après, on va voir ton Skype là. Bah, je crois que j'ai bientôt quitté, je suis désolé. Hein, mais... Tu vas bientôt y aller? Ouais, parce que disons qu'il y a quelqu'un qui a pris l'ordinateur à ma place et il en a besoin. Ok, d'accord, moi aussi, là, j'ai bientôt fini la vidéo, hein. Je suis bientôt arrivé en plus, regarde. Alors là, je vois pas grand-chose, je te vois juste ton camion complètement détruit. Hein? Ah, complètement détruit. Il te reste encore juste l'avant du camion un peu... Ah oui, dans la barre. Mais et là, tu vois, là, je rentre dans une ville. Non, moi, je te vois toujours dans la forêt, avec des arbres de sapin, on dirait. On va rentrer dans des HL. Il y a tellement de gros bacs. Bon, une prochaine fois, je te dirai les nouveautés dans mon collège. Ah, moi, mes nouveautés, c'est quelques petits festa, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans tous les collèges, il y a un petit festa à gogo, alors. Ouais, mais en fait, là, c'est ce mois-ci, t'es pas venu hein, dans notre collège. Ah, je suis vraiment désolé, parce que déjà, mon plan de temps, il change toutes les deux semaines ou trois semaines.
Donc, en clair, c'est amusé soit 15h, soit 17h. Et ces temps-ci, disons que je ne peux pas trop sortir de chez moi. Enfin, sortir de chez moi. Je ne peux pas trop quitter l'enceinte de chez moi. Enfin... Ouais, voilà. Bah, oui, moi aussi, mon emploi du temps, il est dur. Et j'ai un gros mot. J'ai un gros mot. J'ai failli dire. Tu vois, le lundi, le mardi et le vendredi, je suis 8h-17h30. 8h-17h. Ah, d'accord. Et surtout, surtout en le vendredi, là, on termine par Madame T en anglais. Ah, Madame T, la prof que je déteste. Je déteste pas. Oh ouais, nous on a une tâche finale à faire là, on doit passer à l'oral. Oh ça va. Moi, si, c'est dur de passer à l'oral pour moi, je trouve. J'ai une prof d'anglais super sympa. Disons que c'était notre super facile avec elle. En oral, c'est très bon. Donc, autrement, chez Madame T. Encore, tu vois, avec Madame Z, qui a le même. Voilà. Disons que je m'en sortais encore bien, mais avec Madame T, c'était un peu dur. Ouais, avec elle, en fait, voilà, c'est... Normalement, je dois passer à l'oral, mais je suis toujours pas passé. Heureusement, mardi, je vais passer, malheureusement. Ah, bah, c'est quoi? Courage. Ouais. Je pense que tu vas réussir, c'est pas quelque chose d'un... possible. Pas. En oral, je suis plutôt assez bon, puisque l'oral, pour moi, c'est... Non, mais avec elle, j'ai 6 de moyenne. Ah, ah ouais d'accord, là, là c'est une très très grosse claque. T'as 6 de moyenne générale, enfin générale. Non, 6 anglais oral hein. Ah ok, donc tu dis anglais écrit toi, pas bon. Non mais en anglais écrit je sais pas trop quoi là, la prof elle nous a mis, elle a mis à tous les élèves un 4 sur 10, ou un 4,5 sur 10, ou un 5 sur 10. Elle fait sa crise d'adolescent. Non, la crise de la quarantaine, alors. Oui, de ça, mais c'était pour me manquer un petit peu d'elle. Ouais, mais tu vois, comment dire, normalement j'ai 9 sur 10, mais elle m'a mis 4,5 sur 10, donc ça tue ma moyenne. Et en anglais c'est... écrit, j'ai 11 de moyenne en anglais écrit, alors que normalement je dois avoir 15 ou 16. Et bah, tu dois la dire parce que franchement, qu'elle te mette la moyenne comme ça, c'est un petit peu abusé, quoi. Normalement, regarde, mes notes en anglais, c'est... Attends, je te dis mes notes en anglais, hein. Déjà, attends. Au départ, la première note, 9 sur 10. Deuxième note, 3,91 sur 4. 3, quoi ? 91. Sur 4 ? Ouais. T'as vu, c'est chelou, hein. Elle note un peu bizarrement, hein. L'année dernière, ouais. Elle est... Et enfin, au dernier contrôle... J'ai eu malheureusement 10,25 sur 20. Ah ouf. Ça c'était sur le comparatif, là, j'ai foiré, j'étais... En plus j'ai laissé même laisser un petit mot, j'écris I'm failing in grand in 3. Une fluide. On sait quoi il dit. Très elle écrit en anglais, mauvais, c'est mauvais, tu ne t'es pas assez donné de toi-même. Bah en fait, on te voit plus du genre à être très très fort, contrairement à moi qui n'étais un petit débutant. Voilà quoi. Ensuite après un moment il y a une question, là, j'ai écrit est-ce que là, entre le vélo et la trottinette qui est le plus beau, j'ai écrit I don't like give my opinions. Parce que la prof devait laisser un petit peu s'énerver avec ce que tu viens de dire. Même pas, elle a écrit what avec 3 points d'interrogation là. Ah ça c'est le what du what beep. Mais sinon, à part la mauvaise note en anglais et la guerre de Berlin en Allemagne, en allemand je veux dire, pardon. Sinon ça peut aller dans les autres matières. Ouais, non, même pour la science physique, c'est le bordel, pas possible avec celui qui lance son portable sur le tableau. MZ, hein. Ta classe est un petit peu... fou ces temps-ci, je sais pas moi. Ouais, c'est vrai, ma classe elle est folle. Hein. Bon, on veut tout la suite, ce sera en privé. Vous ne saurez pas tout. Donc, pouce vert, pouce rouge, commentez, partagez, abonnez-vous et bien sûr, au revoir.